Le soir Tarchaud. Le soir Tarchaud. Le soir Tarchaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes du 19h-21h sur TSO Radio. De retour sur TSO Radio pour la suite de l'émission Le jeu du post-it. Où sont les post-it? Dans ton cul. Merci beaucoup. Ça, pour ça, vous êtes raccord, hein, pour donner des perles alors qu'il y en a plein et il n'y a personne, pour me dire d'aller me faire enculer, il y a du monde. Hein. Exactement. C'est plus plaisant. Connaissez le principe du jeu du post-it? À force, on a évolué, hein, on se fait même plus chez écrire sur des post-it, on prend le jeu carrément. Alors, ouais. Je vais coller des gens sur la gueule des autres. Essuyez-vous le, ouais. Le front. Ouais, essuyez-vous le front parce que ça colle sinon, ça tient pas. Si je te remets un Angela Merkel et que tu le trouves pas, ça va chier. T'aurais pas dû le redire, mais je l'ai oublié. Oh putain. C'est vrai? Ouais. Ça te passionne la politique, hein. Alors, lui j'ai dit qu'on oubliait, hein, il y a trop de... Ah ouais, non, C'était Gandhi, oui, hein, Gandhi. C'est qui c'est, non? Hein, oh, Gandhi. Ah, moi en vrai... Oh, ça va. Vite fait. C'est pour la chanson, moi. Le micro quand vous parlez. Gandhi. Ah, celle-là, j'aime bien. Cette pute. Ouais. Ouais. Alors, à qui je vais mettre ça sur le crâne? Je peux avoir la sucette ou le monsieur? Bah, elle est là. Ah, oh, mais il avait prévu, putain, mais il est bon ce mec, il est bon! Oh. Je pense à tout! Oh là là! Mais si ça pue! Pardon. Pleure, mais vous m'entendez? Si, que si je parle, vous m'entendez pas? Eh, beauté. Tu vois, moi je t'aurais mis un truc sur le front. C'est pour être sûr qu'il tient bien. Tu le sens ou pas? Il descend. Elle a senti un petit truc apparemment. Je viens de coller sur le front de Laura ce qu'elle rêve. C'est bon, alors vous avez tous vu. Maintenant, à toi de poser les questions pour qu'on essaye de te mettre sur la voie. Alors, est-ce une femme? Oui. Et non pas l'église. Est-ce une chanteuse? Non. Une actrice? Oui. Française? Non. Américaine? Oui, il semble. Ou anglaise. Ou anglaise, ouais, je me demande si c'est anglaise. Elle est pas française. Ah, voilà, elle est pas française. Elle est soit américaine ou anglaise. Mais peut-être reste sur plutôt le américain. Parce qu'on lui dit anglaise, ça va la trop la perdre. Elle est anglaise. Ouais. Est-ce qu'elle fait des comédies? Voilà, elle doit faire des comédies, voilà, je pense. Du enfer, mais. Ouais, si. Dramatique, par exemple. Ouais. Oui. Mais c'est pas. Elle est blonde. Oui, voilà. On a déjà fait cette couleur, oui. C'est pas ce qui va la caractériser, le blond. Ça dépend des jours. Parce que les blondes, ça dépend des jours, une actrice américaine. Mais c'est une actrice très connue parce que. Parce que elle est très connue. Non, parce que si je commence à aller trop là-dedans, on va trouver. Alors attends, une actrice. Là, tu connais? Non. Ah, oh, bah d'accord. Bon, je connais pas. Là, tu connais pas? Non. Ah, si, si, attends, quand on va trouver, tu. Si. Est-ce qu'elle est. Américaine? Est-ce qu'elle est blanche? Oui. 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 Ça ne commence pas par un B. Est-ce qu'elle a un mari connu? Je ne crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Ouais. Elle œuvre seule. Jamais. Par contre, dans un de ses films, son compagnon, beau gosse, est connu. Ouais. Et très agréable. Elle est souvent parodiée au fond des chiottes. Ils ont un souci de palette. Merde alors. Il n'y avait pas assez de place. Pas assez de place sur la palette. C'est une vieille image. J'ai envie de crier en plus. Non. Hein? Alors là. Attends. Elle a joué dans un film connu. Tchac. Ah bah ouais. Sur le carreau. Ah oui. Si je te dis main qui glisse sur le carreau. Bateau. Une masse. Ah, bah oui. Bah oui, mais c'est qui? Est-ce qu'elle a joué dans Titanic? Oui. Bah c'est Kate Winslet. Ouais. Je connais pas. Et ben elle est pas américaine, ouais, elle est anglaise. Ouais, elle est anglaise. Mais en anglais, c'est pas une comme le film, bah, mais elle est américaine. Non, elle est anglaise. Bah, c'est ce qu'on a dit, hein. On avait dit anglaise. Ouais, mais j'étais pas sûr. Partie sur américaine. J'étais pas sûr. Elle est née à Londres. Je manque anglaise. D'accord. J'en ai un à faire, mais je pense qu'il va pas trouver. Et c'est pour lui. Oh là, oui, putain. Ouais. C'est sûr, il va pas trouver. Déjà, moi, je sais même plus qui c'est. Bah, si, connu. Si, si, mais ça va revenir. Mais. Quand on va regarder sur internet, ça va revenir. Oui, c'est ça. J'allais faire ça. Bah, est-ce que c'est un homme? Oui. Et acteur? Non. C'est bon, j'ai retrouvé. Ouais, bon. Ça dépend du moment. Mais non, il n'est pas acteur. Un bon connard. Présentateur? Non. Chanteur? Non. Non, là, c'est toujours dans la politique, hein. Enfin, dans la politique, dans le
la gouvernance. Enfin. La gouvernance, quoi. Bah, c'est le taulier d'un. Tu veux pas la réponse? Non, dis pas trop. J'en sais rien. Il est asiatique. Pose la question, hein, monsieur, on verra de toute façon. Ah, asiatique. Oui, bon, il y en a plein, tu verras. Mais celui-là, il a une particularité particulière. Ça, c'est une intervention constructive. Particularité particulière. Non, mais toi, tu fais pas ça. C'est pas... Ouais. Oui, c'est plus. Pose des questions. Ça, parce que même en Asie, tu ne t'intéresses pas à tes origines. Non, bah, il n'y a même pas de. Moi, bon, c'est pas le même pays. Là. Non, du tout. Non. En fait, c'est. C'est la Corée. Ouais. Ouais. Oh oui. Bien. Oh, bah, tu vas trouver là. Kim Jong-il. Oh bien. Oh oh Kim Jong-un, je crois. Oh, on s'en fout. Kim Jong-il, il est mort. Putain, tu m'as niqué. Fais chier, s'il te plaît. Tu le connaissais ou tu l'as vu dans le reflet? Ah là, il dit Corée. Je connaissais par rapport à la baffe à chier. Non, on voyait beaucoup de vidéos. On voyait beaucoup de vidéos sur lui pendant un moment. Ouais, mais Angela Merkel aussi. Oh, mais non, mais lui, beaucoup plus, parce que même il est en opposition avec Donald Trump et tout ça pendant un moment. Ouais, mais. Non, mais je suis sûr que Angela Merkel, c'est un accident d'intelligence. Ouais. Je pense que. Attends, je sais pas qui c'est. Ah, tiens, on va mettre ça à la gueule de quelqu'un. Merci pour Kim. Quelqu'un. Je vais pas vous demander de me redonner à chaque fois les bouts de Blue Tax, là, de. Je sais pas comment on dit. Pataflix. Vous connaissez pas Pataflix? Non. Enfin, oh, à l'école. Merci pour l'astuce. Pataflix. Sept fois. Hein, ouais. Moi j'ai déjà fait. Bon, moi tu le fais. Cinq jours. Cinq jours. Je m'en mettrai un si tu veux après. Ça. Où? Je connais pas moi. Tout le monde connaît ce mec. Oui. Tu connais ce mec? Ouais. Tu m'aurais dit non, je ne prends pas. Ce mec? Enfin, on va arrêter de se prendre. C'est un homme du coup. Oui. C'est, et le pire, c'est que tu m'as fait la même tout à l'heure. Tout le monde la connaît. Ah, donc c'est une femme déjà. C'est un homme français? Non. Non. Américain? Ouais. Oui. Acteur? Non. Chanteur? Oui. Chanteur de chansons récentes? Non. Non. Oh, on fait chier. Chanson de personnes un peu plus âgées alors. Ouais. Bah oui, du coup. Qui bouge. Ouais, pas pour toi Axel. Alors. Ouais, ça bouge, ouais. Mais pour les vieux, ça bouge pour les vieux. Pour les vieux, ok. Je sais pas. Franck Michael, ça bouge pour les vieux ou pas? Pour les vieux, ouais, mais pas américain. Non, mais est-ce que le Franck Michael pour toi ça bouge pour les vieux? C'est la notion de ça bouge, ça bouge. C'est notre salle, c'est notre salle. Ça dépend des salles des ambiances. Ah ouais, Michael, c'est trop love. Attends, un vieux. Il est blanc. Ouais. Oui. Demande un peu sa situation de vie ou pas. Je te le demande. Bah, il est mort. Ah, il est mort. Ça peut être important. Oh ouais, tu parles des chanteurs américains qui font danser les vieux et qui sont morts. Ça t'enlève tous les vivants. Ouais, tous les vivants. Allez, Stéphane est parti. Donc, Oui. Il est très connu après. Oui, merci. Ouais, il est sur la carte. Avec son nom de famille, tu peux faire pas mal de vannes sur les couilles. Sur les couilles. Ouais, sur les couilles. Tu m'as mis la tête. Sur les couilles, une vanne sur les couilles. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des couilles Allez. On peut aller. On peut aller. Comment on lui fait des. On peut aller. Il me perturbe en fait parce que. Alors, j'ai un gros souci, c'est quand on m'explique quelque chose, je pense à la chose. Donc là, je suis en train de voir des couilles. Sur tes lunettes. Je me dis, et je suis en train de me dire. Mais je vais faire qu'ils veulent quelque chose avec des couilles. Tu vas aller. Ah, Elvis Presley. Ouais. Ah, oui. Valet Presley. Bah, putain. D'accord. Tiens, mets-moi, choisis, mets-moi en une sur. T'aurais le... pu me mettre Chime, hein, quand même. Ouais, mais j'avais mis la pâte à fixe de l'autre côté. Tiens, moi, mes choix. Tiens, voilà la bouboule. Il faudra pas que je regarde la cam. Bah non. Alors, qui c'est qui va prendre? Mets-lui un truc. Mais pas King Kong, hein, je l'ai vu. Moi, je... Par contre, comparé à tout à l'heure, quand tu me la mettras, Nivek, ne me pète pas la tête. Oh. Je ne suis pas, ça va coller. C'est pourquoi bon. Tout à l'heure, il te l'a mise. Ah, il m'a. Ah, bah, il pouvait pas bouger la carte. Il m'a défoncé. Ah, bah, apparemment, il. Nivek, il fait tout le jeu. Il cherche quelqu'un qui connaît surtout. Candy, non. Voltaire, non.
Angela Merkel, non. C'est qui celle-là? Je rappelle que Kim Jong-un, il a trouvé quand même. Enfin, il a dit, mais dans quoi, je ne sais pas. Ah, allez, c'est parti. C'est bien. Bah, non plus, hein. Oh, ah, tu connais pas. Ah oui. T'as dit quoi? Tu la connais pas? Non. Tu la connaître. D'accord, ok. C'est un mec alors. Si tu dis ça, c'est que c'est un mec. Allez, bah, là. Je connais pas. C'est un mec, oui. Donc, okay. c'est un mec américain? Non. Non. Français? Oui. Oui. Politique? Oui. Oui. Bah, oui. Et il connaît pas? Non. Non. Je pense que si, c'est parce que l'abréviation, tu connais. Ouais, mais là, j'ai tout dit en fait. L'abréviation, tu connais, c'est sûr. Dominique Strauss-Kahn. Oh, ouais. Putain. Ah, l'abréviation. DSK. T'as jamais entendu parler de DSK? Oui, bah oui, DSK. Ah oui, j'ai entendu son nom en entier alors. Comment? J'ai jamais entendu son nom en entier. Attends. Ah, déjà, c'était là. Oh, je la connais pas, mais Dominique, c'est mixte aussi. Ouais, Dominique et Nicolas. Bah oui, aussi. Il y a vraiment des gens. Léa Seydoux, quelqu'un connaît? Bah oui. C'est ouais, c'est une actrice. Elle joue dans La vie d'Adèle. Oh ouais, mais Ouais. Allez. Et j'en ai parlé le 10 juin, elle a joué avec Camille Lelouch dans un film. Ah. Ah ouais. Pourquoi tu sais? D'accord. Le gars le fait ou pas, toi? Non, il l'a pas fait. Oh, les balances, bah non. Quoi? Oh, je préférais l'autre côté, moi. Bah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Je préférais l'autre côté. Je veux même plus que c'est dans Kaamelott, c'est Arthur. Ouais, c'est Kaamelott, ah ouais. C'est un homme? Non. Non. Donc c'est une femme? Oui. Elle est ancienne. Elle est ancienne. Une française? Oui. Ancienne. Chanteuse? Non. Non. Donc une récente? Non. 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 J'ai une dire plus ancienne c'est... encore? Elle est morte? Non. 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 Pas encore. Cela ne serait tardé, mais... Politique? Non. 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 Il guest bar avec sa chaise. J'installe mon barbecue. Tu la connais, Nivek? Non. Bah, Nivek, non. Elle est comédienne? Oui. Oui. Comment elle s'appelle? Bah oui, c'est le Lynn Renault. Non. Non. Pas si vieille. Pas aussi moche. Je elle est pas aussi ridée. Annie Dupéré? Non. Non. Oh, elle est très vieille, hein. C'est pas ce qu'elle se maquille beaucoup. Hein. Mais Dupéré. Elle a fait un film récemment? Oh. Une série? Elle en a fait beaucoup. Récemment? Ou bien une série, non? Une série, non. Elle était bonne étant jeune. Enfin, pour ceux qui. Ah, je joue dans Scène de ménage? Non. Non. Ah, Marion Gamme, t'étais toi? Ouais. Oh non, mais je l'ai pas connu jeune. Je joue dans Les Charlots, c'est pour ça. C'est vrai? Ouais. Ah putain, t'as une culture, mais t'en as toujours. Donc, elle a fait du cinéma? Ah, oui. Bah oui. Oui, c'est triste. Sa carrière. N'a-t-elle pas été avec. Bah, je suis pas été actrice, c'est actrice, c'est vu qu'à la télé. Oui, c'est vrai. Oui, 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 oui d'accord. Oui, non, sûr, non, elle a fait le petit et le grand écran. La petite lucarne! Les deux écrans. Est-ce qu'elle a fait des films vraiment très connus ici en France? Mais elle est connue, elle est hyper connue. C'est même une actrice quand même assez emblématique de la France qui peut représenter la France au niveau des films. Bah, Marion Cotillard? Non, c'est vieille. Plus vieille. Plus vieille. Elle est bonne, Cotillard, elle est jeune, elle est fraîche. Enfin, elle était fraîche. Dans Taxi, elle était fraîche. Mais le taxi, il est parti. Elle est jamais revenue. Même Samina Seri, il a pris un coup de pelle, mais. Oh la vache, oui. Il doit prendre des médocs. Une française assez âgée, blonde. Mmh. Mairie Dark? Non. C'est qui Mairie Dark? Mairie Dark. Mairie Dark. Elle est blonde? Ouais. Mmh. Bah, en ce moment, c'est une couleur, mais oui, elle est blonde. Non mais pose des questions, je sais pas. Une question qui sont posées tout à l'heure, elle est mariée, voilà. Enfin, elle est mariée, non? Elle a été avec un gars connu ou pas? Elle, je ne sais pas. C'est pour répondre, c'est pas. Pose des questions, elle est mariée, bon, attends, je sais pas. Non mais moi je sais pas. Parce qu'elle a des enfants, oui. Et tout. Oui. Des enfants, elle est blonde. Avec Nathalie Baye. J'ai confondu avec. Ah bah Catherine Deneuve alors. Et comment t'arrives? De Nathalie Baye à Catherine Deneuve. Bah c'est pas Nathalie Baye, c'est Catherine Deneuve. Bah pourquoi? Parce que c'est une qui baille. Bah elles sont sorties toutes les deux avec Johnny. Johnny, bah c'était ça la question. Bah voilà. Bon, voilà, on était sur le même filon. Allez, bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On sait que Kim Jong-un
est aussi in. Ok. Allez, merci à tout de suite sur Télévision Radio. On se retrouve avec le Parole de Chanson Mélodie du Nôtre, avec le concours qui continue, hein. Le ténor de la voix italienne, monsieur. Pavarotti, Monsieur Pavarotto, hein. Ou Poivreau Toto. Et monsieur Perrin, donc Pierre Richard. À tout de suite sur Télévision. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.